Bien bonjour les amis, nous voici aujourd'hui sur une partie un peu spéciale. On est sur une map particulière. C'est la map zombie, voilà déjà, c'est bien, c'est Zombie Invader. C'est une map qui a été conçue par Demon Mitty et Max Eyalas, un truc comme ça. De toute façon, le lien sera sur la vidéo, dans la description. Je vous invite à aller l'essayer, elle est vraiment sympa et on va tout de suite expliquer un peu de quoi il retourne. Alors je joue en difficulté normale, pas en hard, c'est déjà bien assez dur comme ça. Donc voilà, on arrive dans une salle fermée. On a quelques explications sur les murs, hein, comme sur toutes les maps aventures qui se respectent. Donc voilà, c'est une map inspirée du mode zombie de Call of Duty. Donc c'est des vagues de zombies qui arrivent les unes après les autres. On a 15 salles à parcourir pour chaque salle, donc il y a plusieurs vagues. Je vous expliquerai comment elles sont calculées. Le but c'est de survivre, de récupérer des armes, de la nourriture, des potions, etc. Enfin, comme dans une map aventure classique. Évidemment, on a l'interdiction de casser les blocs, etc. Voilà, donc on va un peu faire le tour des règles. Donc, hop, allez, je vais le lire. Bonjour et bienvenue dans un nouveau zombie. Une map gigantesque avec plus de 15 salles différentes les unes des autres. Il y a de nombreux secrets, armes et armures cachées malgré les deux armureries disponibles. D'accord. Donc il y a en plus des armureries, il y a des coffres cachés, ça c'est bien. Jouez selon votre niveau, c'est-à-dire soit facile, normal ou difficile. N'oubliez pas de lire les règles et c'est parti. Alors, on joue pas en peaceful, on prend aucun bloc, sauf le sable qui sert de monnaie, en fait, qui nous permet de débloquer l'accès à la salle suivante. On sort pas de la map, bien entendu, et on piétine pas les fleurs. Ah oui, d'accord. Le jardinier a dû les planter, les arroser, on se demande avec quoi. Sur ce, bonjour à tous et c'est parti. Donc j'ai récupéré le matos. Il y a un tourne-disque, mais il n'y a pas de disque, donc ça sert strictement à rien. Allez, on va ouvrir. Yes. Nous sommes dans la cour. Chaque achat, donc c'est ici le, en gros un peu la sorte de dispensaire. C'est là qu'on jette le sable qui nous sert de monnaie pour débloquer la zone suivante. Donc ils disent de poser les cubes, bien entendu, on ne les jette pas. Donc la première vague. Allez, est-ce que je suis parti? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ici qu'apparaît l'argent, d'accord. Donc on va rester là. Franchement, c'est un bon spot ça, non? J'ai envie d'essayer de me planquer là-dedans. Allez, c'est parti. Hop. On va voir. Ouh là là, ça arrive. Est-ce qu'ils m'ont vu? Ouais, ils arrivent. Putain, il a pas de tête. C'est pas un bon coin, en fait. Non, non, mais sérieux, les premières vagues, elles sont dures comme ça? Waouh. Bon, les amis, je pense que je vais en baver. Je pense que je vais en baver. Ça va. Bon, la nourriture, pour l'instant, je mange pas. J'attends de perdre encore un gigot. Allez, on va se caler plutôt par là. Peut-être que ça sera mieux. Oh, purée. C'est ici qui pop. Oh non, je vais pas mourir d'entrée. Waouh, les amis. C'est une honte. Allez, on va essayer d'y retourner. D'accord, je peux rien faire sans armes. Allez. Eh bien, je pensais pas que ça serait si dur. Ouah. Mais... D'accord. Impossible de le tuer. Oh, il y a un sale bug. Il y a un sale bug, en fait. Ça y est, j'ai réussi à le choper. Bon, yeah, c'est peut-être moi le bug aussi. Bon, on va dire que c'est moi le bug. Ou excusez-moi, j'ai reniflé. Un peu d'argent. Bon, qu'est-ce que j'ai perdu moi dans l'histoire? A priori, tout va bien, j'ai tout récupéré. Waouh, les épées, elles descendent à une vitesse folle, les amis.
Bien, j'aurais peut-être dû jouer en mode normal, en mode easy. Parce que là, c'est quand même vraiment dur pour moi. Mais c'est pas grave, on est là pour le défi, c'est un test de la map. Je pense que je ferai souvent des parties sur cette map, parce que franchement, ça m'éclate. Je pense même que je vais faire une partie sur cette map avec un mode spécial. C'est à voir, j'essaierai quand même. Allez, on va lancer la nouvelle vague parce qu'il nous manque un peu d'argent. On va essayer de vite les tuer. Voilà, ça a l'air de mieux se passer là. Yes, il en reste un. Il est où? Voilà. Là, il y avait un peu plus d'organisation. De suite, ça passe mieux. Bon, franchement, c'est un peu tendu quand même. Waouh. Bon, c'est pas que c'était si dur, hein. Et c'est comme ça, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, n'est-ce pas? Allez. Yes. Bien, nous avons ouvert le passage, donc c'est ici d'ailleurs, pour le prochain niveau. Qu'est-ce que c'est? C'est un piston. C'est un piston, ouais. Et alors? Waouh. Salut les poules. On ne peut pas les choper, non? Bien. Alors, on arrive à la deuxième salle, le manoir. Alors, Start Wave, non, on va pas démarrer les vagues tout de suite. On va un peu faire le tour de ce manoir. Oh, un coffre du Nether. Alors, bien des bouteilles d'enchantement. Une épée en fer, je me suis même pas rendu compte que j'en avais une. J'ai une épée en pierre qui est presque cassée, on va la garder pour l'instant. La viande de zombie, je vais la mettre là. Le pain pour l'instant, je m'en sers pas et je mets une épée de côté. Les torches aussi, j'en ai pas besoin. Enfin, peut-être que les torches me serviront plus tard. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Mystère. Alors, ici, c'est là qu'on paye. Ok. Un bouton mystère. Je vais peut-être pas appuyer dessus pour l'instant. Hein. On va continuer à visiter, les amis. Alors, ici, ça monte. Les escaliers, une échelle. Est-ce que je peux grimper? Là. J'ai raté mon saut. Il faut courir à sauter? Non, c'est pas possible. Il faudrait peut-être que je trouve un bout d'échelle quelque part. Un coffre. Du pain, super. Il y a peut-être d'autres coffres. On n'a rien. On a un lit. Comme ça, je règle mon point de spawn. Mon nouveau point de spawn. Une petite terrasse. Oh. By Demon Mitty and Maxelace. Trois vagues pour l'instant. C'est le score. Ok, c'est là qu'on arrive. On voit des répéteurs, des fils de redstone, bien. Bon, il n'y a rien par ici. Et là, c'est pour redescendre. Non, là, c'est rien. Bon, mais on va redescendre. Ma foi, les amis, il n'y avait rien. Ah, une petite pièce. Non, non plus. Allez, on redescend. Une porte en fer, mais elle est fermée. Il faudra peut-être un levier ou quelque chose comme ça. Ah. Là, il y a de quoi grimper, dommage qu'on puisse pas casser les blocs. Je suis tenté quand même d'essayer ce bouton. Oh purée. Qu'est-ce que j'ai fait là? Les amis. C'est un passage. D'accord, une table d'enchantement. D'accord, et on peut acheter des choses. Alors, on peut acheter quoi? Des épées en fer, du steak, armure en fer, génial. Un morceau d'armure sauf diamant.
D'accord, ça doit être aléatoire. Définir comme point de spawn, ben voilà. Et arme aléatoire. Ah, pas mal. Combien? 4. Pour l'instant, j'ai pas d'argent. Je vais enchanter l'épée. Je vais profiter d'avoir un peu de niveau. C'est pas... Alors, 1 ou 2, c'est pareil. Hein. Le pourcentage de chance d'avoir des bons enchantements, il diffère pas que ce soit 1 ou 2. Donc, je vais utiliser juste un point. Allez, dégâts, dégâts. Ah, Smith. Bon, bah, c'est bien. C'est bien ça. Alors, d'accord. Franchement, je sais pas du tout où je suis. Je sais pas si j'ai bien fait de me rendre ici. C'est la découverte. D'accord. Qu'est-ce que c'est ici? Ici, on n'a rien. Et là, un coffre. Génial. Est-ce qu'il y a une épée? C'est toujours ça de prix. Ah, d'accord. J'ai vu. Je suis nul avec les portes en fer. On est retourné. On est retourné. Ouais, d'accord. On est retourné dans le manoir. Donc voilà, en fait, c'était bien un bonus, ce bouton. J'ai bien fait d'aller appuyer dessus. Donc, on va fermer la porte. Pas la peine. Ici, on a pour démarrer les waves, les vagues. Eh bien, c'est parti, les amis. Allez. Ouh, des squelettes. Il y en a encore, a priori. Un zombie. On n'a pas vu. Ok. Il y a un autre zombie. Allez. Est-ce que la vague est terminée? Je pense que oui. Allez, on va manger. Je vais ranger cette épée qui ne me sert pas. Je vais réorganiser un peu ça quand même. Je vais mettre une épée ici. Et une épée là. Comme souvent, je fais les sélections à la roulette. Ça me permet de toujours avoir vite une épée sous la main. Allez, nouvelle vague. C'est parti. Encore des squelettes. Ce coup-ci, je vais faire le tour. Mince, eux aussi. Trop malin. Je crois que j'en ai vu un autre. Non, c'est lui qui m'a vu. Waouh. Ouais, j'ai pu le tuer avant qu'il me tire une nouvelle flèche. Waouh. Allez, j'entends un zombie. Est-ce qu'il m'a vu? Oui. Oh là là, ils sont deux. Ah, c'est un peu plus facile quand même que le tout premier niveau. Pour l'instant, je m'en sors un peu mieux. Allez. Je pense que la vague est terminée. J'ai 8 blocs de sable. Et il m'en faudra. Où est le. C'est ici qu'on a l'argent. C'est là-bas qu'on paye. Là, je sais toujours pas ce qu'il y a. Donc il m'en faut 10. Allez, je pense encore. Je vais encore faire une ou deux vagues, histoire d'avoir un peu de monnaie d'avance quand même. Je pense qu'il y a des squelettes qui vont arriver. Voilà. Ouais, j'ai perdu 2 cœurs, mais ça va. C'est pas grave. J'ai vu un zombie par là. Donc a priori les vagues sont de 4 mobs. Voilà, le quatrième. Super. La vague est faite. On s'en fait une nouvelle. C'est à peu près ces 3 blocs. Ouais, ça le fait. Allez. Où il est? Il y a un autre squelette ou quoi? Non. J'ai bien fait d'enchanter l'épée en fer. Ça fait quand même du dégât. Hein. Alors, nous avons 16 blocs. 16 blocs, 16 blocs. Il m'en faut 10. Franchement, je vais faire une nouvelle vague. Ça me permettra d'avoir un bout d'armure. En fer. Par contre, j'ai peur que ce soit le torse. Si c'est le torse, j'ai déjà. Oh, regardez-moi les flèches dans la tête, c'est génial. Je joue à 1.4.6, hein, c'est pour ça que j'ai les flèches. Alors, je joue en normal. La nourriture, elle monte à une vitesse folle.
Oh, l'épée est déjà abîmée. Est-ce que je devrais pas aller direct à... Allez, c'est juste un let's play. C'est pas l'objectif, c'est pas de finir le jeu. Donc on va passer à la salle suivante. Sinon, vous ne verrez pas. La partie va être trop longue. Allez, on passe à la suite, les amis. Six, sept, huit. Voilà, c'était bien ici. Alors, cimetière, ouais, génial. Ah, les maps, vraiment les niveaux sont franchement jolis. Il y a vraiment un boulot de taré sur cette map quand même, parce que non seulement elle marche bien, mais en plus elle est jolie. Oh, un bloc de diamant, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir. Alors, il y a des tombes. Est-ce qu'on a le droit de creuser les tombes? Non, ça se fait pas, hein. Ça se fait pas. Tiens, il y a un bouton ici. Il y a un bouton ici. Je suis tenté d'appuyer dessus, hein. Comme d'habitude, allez. D'accord, c'est un piège. Je sais pas ce que ça a tiré. A priori, j'ai évité, ma foi. Le bouton Start Waves est ici. Bon, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de secret. Là, décidément, j'ai pas de chance avec les secrets là. Hein. Il n'y en a pas même par niveau des fois. Oh! Une épée en or. Fort. Oh, d'accord. Aïe. Aïe. Ah, génial. C'était la nourriture ici. C'est vide. Allez, on récupère. Bon, il n'y a pas de four, je vais pas pouvoir faire cuire, mais bon, 8 morceaux de porc, un bout d'armure, la peinture, à mon avis, c'est un bug, et une épée en or que je vais mettre tout de suite dans le coffre du Nether. C'est pas la peine de gaspiller, d'ailleurs, ça aussi, voilà. Allez, les amis, on va lancer les vagues. Je sais pas ce qui nous attend comme type de mob. J'espère qu'il va pas nous foutre des creepers. Allez, c'est parti. De quel côté? Merci. Oh là là. Il doit y en avoir un derrière moi aussi. Non. Ça va. Il y en a un quatrième. Je l'entends, il est là. Et il y a l'argent ici. Allez, trois coups, c'est bon. Allez, je pense. Ah. Il en reste un. Ah ouais, il y en a cinq sur ces vagues. Ok. J'ai failli me faire avoir et lancer la vague suivante. Allez, les amis, on va essayer quand même d'atteindre la salle suivante. Purée, qu'est-ce que j'ai fait là? Aïe, aïe, j'ai plus beaucoup de vie. Un demi-cœur. Est-ce que je vais m'en sortir? Oui. Ouf! J'avais oublié, je suis allé directement dans l'endroit où il spawn. Bon, j'ai mangé une pomme. Voilà, et on va attendre que la vie remonte. Waouh, j'ai frisé la correctionnelle, comme on dit. Là, vraiment, un demi-cœur, c'était presque le fail. Mon épée devrait pas tarder à exploser. Il aurait été... Je vais profiter que le cœur remonte, en fait, je vais acheter une nouvelle épée en fer. Voilà. Alors, épée en fer, épée en fer. C'est ici. 1, 2, 3 et 4. Elle est là. Faut pas me faire des frayeurs comme ça. Morceau d'armure. On va tenter. Hein. 5. C'est cher. Hein. Je l'ai prise. Alors j'ai eu quoi? Ouah, du cuir. Et encore du cuir.
Ouais, ben j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, les amis. J'ai gaspillé mon argent pour rien. Je suis désolé. Allez, on continue. On va reprendre un minecart. Je sais pas pourquoi on nous file des eaux. On va faire de l'agriculture. Hein. Ok. Allez, descend. Retourne là-bas. J'arrive à le renvoyer lui aussi. Voilà, comme ça, c'est fait. Allez, je vais essayer de sortir du premier coup. Ouais, j'ai réussi. Parce que je suis vraiment nul, moi, avec les portes en fer. Hein. Je préfère mettre des leviers. Comme ça, c'est fait. Alors, c'est par où? Hop, on va ranger ça. Voilà, ces merdes-là qui me servent à rien. Je n'ai pas enchanté l'épée. C'est pas très malin. Je sais même plus comment marchent les bouteilles d'enchantement. Je crois qu'il faut une table de craft, je sais pas. Je les ai pas essayées encore. J'ai pas trop joué sur la 1.4. Je suis souvent à 1.2 en fait. 1.2.5. Par rapport au mode que j'utilise. C'est toujours beaucoup plus pratique. Allez, je vais me mettre dans un endroit safe. On va un peu camper. Ils sont morts? Ouais. Allez, il en reste 3. Je pense que l'épée là, elle vit ses dernières secondes. Ok, combien il m'en faut pour sortir d'ici? Waouh, 20. J'ai abusé là. J'ai abusé les amis. Alors je prépare l'autre épée parce que ça va pas tarder à être nécessaire. Alors si je reste par ici, ouais ça va le faire. 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Il veut pas me donner sa pelle. Ici. Et le dernier, il est là. Allez, hop, l'autre épée. Maintenant, c'est 4 coups. Je pense. La nourriture descend à une vitesse. Merde. Voilà, 4 coups. 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va se faire les autres. Allez. Alors j'imagine qu'en multi, ça doit être l'éclate totale. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'y jouer avec du monde. N'est-ce pas? À bon entendeur. Oula, j'ai eu un freeze. Ça va, je gère. Oula, d'habitude il restait planqué au fond, mais non, ce coup-ci il a décidé de venir me rendre visite. Allez, le dernier. Ouais, je me suis un peu trop approché, les amis. Nous avons 12 blocs. Avec ceci, nous en avons 16. On va lancer la toute dernière vague. Et je me demande si je devrais pas aller. Non, on va pas acheter une autre épée, on va se contenter de faire la zone suivante et on arrêtera là la vidéo. Je pense qu'un jour je ferai une aventure suivie dessus. Qui sait, avec un épisode par salle peut-être, ou tous les 2-3 salles. S'il y a 15 pièces, ça peut être sympa. Même en mode hardcore, soyons fous, la moindre mort. D'ailleurs, ce serait plus logique de jouer en hardcore sur ce type de map. Je sais pas comment on peut la passer en hardcore parce qu'elle a été créée. Je sais pas si on peut basculer une map déjà faite en mode normal, si on peut la basculer en hardcore. Vous me direz, j'ai jamais essayé, je sais qu'on peut la passer en hard, ça y a pas de souci. Mais en hardcore, c'est un mystère. Allez, on passe au niveau suivant. On va manger un coup aussi, hein. Parce que mourir de faim,
Ça serait pas un bon plan pour cette partie. On approche de la demi-heure d'enregistrement. Donc la partie est quand même une bonne partie. Ça sera pas une vidéo de 2 minutes, ça c'est sûr. Allez, le pain. Hop, on le finit. Et on va terminer dans cette nouvelle salle. Alors, salle de réunion. On a deux interrupteurs. Pourquoi deux? Est-ce que c'est pour fermer la porte? Étrange. J'ai actionné des choses. Je ne sais pas ce que j'ai actionné. Il y a des tableaux partout, les amis. Alors, les tableaux, moi, j'adore ça. Est-ce qu'en général... Ah, mince. J'ai activé la vague? Ou les vagues sont automatiques, peut-être. Oh là là. Oh là là. Il y a du monde. On attaque sur le côté. Ça va, ça va. Allez. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Oh là là, quelle vague. Quelle vague. Encore deux. Trois. Mais combien sont-ils? C'est pas vrai. J'active un piège. J'ai activé. Non, 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 non. Je n'ai plus de paix. Non. Eh bien voilà, les amis. Un des boutons devait sans doute être un piège. Ou pas. En fait, il y avait trois vagues. D'accord. Il fallait survivre aux trois vagues. On en est où là? On en est à 27 minutes, 28. Bon, on se tente un respawn. Ouais, le respawn a l'air bien foireux, les amis. Voilà. D'accord. Je ne sais pas où je respawn. Avoir fait le point de respawn, c'était peut-être pas une bonne idée. J'étais pas mort, hein, depuis que je l'avais fait. Je sais pas du tout où je suis apparu. Bon, il y a des petits bugs sur la map, hein, quand même. Ben, c'est pas grave. Je passerai en mode créative si je veux finir cette partie, peut-être. Et je retournerai à la map. Vous voyez, j'ai tout mes items. Hop, on part en mode créative. Allez. On va jeter un œil à la map. Ouais, en fait, je dois être très très loin de... Je dois avoir respawn vraiment très très loin. Je sais pas ce qui s'est passé. Un sacré bug. C'est pas grave. De toute façon, la partie était terminée, les amis. On n'aura pas survécu aux trois vagues. J'aurais pas pu fouiller derrière les tableaux pour voir s'il y avait des passages secrets. Mais on se refera une aventure sur cette map. Y a pas de souci. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve ici, ben, très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.